Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est un unboxing Diamond Painting. Et oui, il y avait longtemps. Alors, c'est absolument pas un partenariat, c'est un achat que j'ai fait en toile personnalisée sur AliExpress avec mon vendeur chouchou Home Fun Official Store. Alors, ouais, des DP, j'en ai beaucoup à faire. Voilà, je ne sais pas si j'aurai assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai, mais bon. Et puis, comme toute youtubeuse qui se respecte, comme toute diamond painting, painteuse, je ne sais pas trop comment on peut dire, qui se respecte, ben on fait quoi? Bah, de temps en temps, on voit sur le net, on fouille, on cherche. Et puis, ben, y a des fois, on va sur Pinterest et puis on voit des photos, voilà. Et là, j'ai vu une photo, j'ai dit, waouh, trop beau, voilà, une image magnifique, pour mon goût personnel, bien entendu, c'est pas forcément une image qui va pouvoir vous plaire, mais de ce que j'ai compris, au nombre de personnes qui me suivent, il y en a pas mal, je pense, à qui cette image va plaire, voilà, alors si ça vous intéresse, je vous mets comme d'habitude dans la barre de description mon adresse mail. Si l'image vous intéresse, à la rigueur, vous m'envoyez un petit mail. Je vous transfère l'image et puis après, bah, vous la faites faire par qui vous voulez. Ou c'est vous qui choisissez, hein, chacun a son vendeur favori. Alors, on y va. Donc, comme d'habitude, hein, avec Home Fun, c'est toujours très très bien emballé. Voilà. Et ça devait être livré à partir du 31. Et aujourd'hui, on est le 24, c'est arrivé lundi. 24, 23, 22. Ah, date prévue de livraison, 31 juillet. Bon, alors ils m'ont fait des squigouigouis à la poste en m'écrasant un peu le carton. Alors Home Fun, voilà. Home Fun, c'est toujours livré dans une boîte. Home Fun, vous avez toujours les sites sur lesquels ils sont, les réseaux sociaux, hein, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, voilà, il y en a même d'autres, vous voyez, que je connais pas du tout. Et Google aussi, oui. Alors, je suis de quel côté, là? Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, le tool kit. Eh ben, le tool kit chez Home Fun ne change toujours pas. Donc, vous allez avoir une pince à bout courbé, pince que je n'utilise pas, un plateau de taille petite, voilà, de la marque Mosfa, blanc avec l'ouverture. Vous avez des sachets zip, il y a un stylet, toujours un stylet rose avec un multiplaceur de 1 et un multiplaceur de 3. Et un double pain de colle. Voilà, tout ça dans un sachet zip. Et chez Home Fun, c'est toujours comme ça. Et ça fait longtemps que ça n'a pas changé. Ah, c'est pas bien la toile. Ouf. Pourtant, il y a un boudin. Hein. C'est les transporteurs qui ont écrasé le carton. Parce que quand vous regardez bien, là, vous voyez, il a été écrasé le truc. Ah, ça, c'est pas Home Fun. Hein. Home Fun, quand il prépare, le carton, il est nickel. Bon, ça va, c'est pas bien méchant non plus. Et en plus, ça ne vient pas sur le dessin. Alors, les diamants. Voilà. Alors, ça va faire un petit peu de bruit. Et oui, j'ai pris des diamants carrés parce que je voulais une image parfaite. Alors, Home Fun, vous bouchez vos oreilles, j'ouvre le paquet. 1, 2, 3. Voilà. Alors, hop. Alors, pour ce diamant painting, j'ai 40 couleurs. Ça, c'est bien. C'est très, 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 très bien. Et j'ai 1, 2, 3.
3, 4, j'ai 5 diamants AB. Et ça, c'est magnifique. Alors, Home Fun, en fait, ça se présente toujours comme ça. Vous allez avoir une feuille de papier format A4. Vous avez... Si je faisais un petit zoom, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc, vous avez la table des matières avec le nombre de couleurs. Donc là, on en a 40. Ensuite, là, vous avez tous les signes que vous allez retrouver sur votre toile. Donc, bien souvent, il y a des chiffres, il y a des lettres et il y a des symboles. Ensuite, vous allez avoir les DMC. Voilà. Donc là, on part du 152 jusqu'au 3862. Et ce qui est en jaune, ce sont les AB. Ensuite, là, sur le côté en rouge, vous avez le nombre de paquets correspondant à la couleur. Donc là, le 152 sur la toile, ce sera le numéro 6. Et normalement, en 152, je devrais retrouver 6 paquets. Et sur le côté, vous avez la quantité de diamants. Alors, par rapport à l'image que j'ai choisie, je n'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai que 921 diamants en 310. Et il n'y a pas de 939. Voilà. Alors, non, je ne fais pas voir tout de suite. Alors. Oh! Ils m'ont mis du AB blanc. Ouais. J'ai du AB blanc. Alors, chez Home Fun, ça se présente en ribambelle comme ça. Le truc là, voilà, c'est qu'avec ça, il y a du boulot. Hein, pour, faut couper les sachets, faut les mettre dans les bouteillons. Mais bon. Voilà, donc j'ai combien de... J'ai 29 sachets en AB blanc. Voilà. J'ai du AB vert. Voilà, vert pâle. C'est le 647. J'ai du AB rouge. Du 817. Donc j'en suis à 3. Donc il en reste 2. Où c'est qu'ils se cachent? Où c'est qu'ils sont cachés? Ah là. Il y a du AB rose pâle en 819. Donc il en reste 1. Caché. Alors attendez, je vais reprendre un... ...606, 647... ...847... ...819... ...817... et le blanc. Et donc il me manque le 606, il n'y en a que 2 sachets. Moi, je connais pas les références, enfin les couleurs par rapport aux références. Ah, 2 sachets. Et ben voilà. C'est du orangé. Voilà. Bon, vous avez vu un peu le panel de couleurs. On est sur des roses, des orangés, un peu de marron, du beige, un petit peu de vert. Voilà. Là, on a un orangé très vif. Là, il y a le noir. Voilà. Et donc, les 5 AB. Donc, il y a de quoi faire, hein. Il y a du rangement, 40 couleurs. Alors, chez Home Fun, votre toile, elle est toujours livrée sur un boudin en mousse, tenu par 2 élastiques
transparent. Hop. Voilà. C'est pas une très grande toile, hein, vous voyez. Hop. Voilà, on a un boudin en mousse. C'est une 40 par 40, si je ne me trompe pas. Si je me souviens bien de ce que j'ai pris. Non, hein, 50 par 60. Alors, attendez. Il y a une technique pour la dérouler. Pour qu'elle arrête de se rouler comme ça. Vous défaites un coin. Voilà. Un petit peu comme ça. Et vous le remettez. Vous faites ça aux quatre coins. Et la toile, normalement, elle ne bouge plus. Alors, on va faire ça ici. Alors, cette toile-là, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. De toute façon, c'est un achat, donc je le fais quand j'ai envie. Je ne dois rien à personne. Hop. Parce que là, en dessous, j'ai la toile avec la sorcière avec ses chats. Voilà, et c'est la toile que Anna m'a offert et je veux la terminer avant d'en remettre une autre. Et normalement, c'est pareil. Chez Home Fun, les toiles, c'est la taille du dessin. C'est pas la taille de la toile. Ah, alors là, par contre, c'est normal avec les chaleurs qu'il fait. Voilà. Hop. Et voilà, par magie, elle se roulotte un peu moins. J'ai dit un peu. Voilà. Ouais, c'est la bande là, la bande blanche, qui ne touche absolument pas le dessin, qui était compressée au bout, donc c'est très très bien. Alors, on va se faire une petite mesure, pour vous faire voir que je ne vous disais pas de bêtises. Donc 50, qui vont commencer là. Et là, et effectivement, le dessin, il est bien là. Donc, c'est une vraie 50 par 60. Alors, je descends les diamants. Je vais mettre la toile dans ce sens-là. Et je vais relever un peu le pied, parce que sinon, vous ne verrez pas la toile en entier. Voilà, donc là, la toile, vous la voyez en entier. Attendez, hop. On est pas mal. Alors, je vais essayer de vous faire voir le dessin. Je pourrais vous faire voir l'image qui est sur le papier, mais ça ne va pas vous donner grand-chose. Je ne vais pas le défaire entièrement parce que, après, pour le replacer, sinon, c'est la misère. Déjà, en général, je ne les défais pas de peur de faire des rivières. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Je reviens par mon téléphone. Ouais. Voilà. Hop, je vais vous emmener un peu avec moi. Hop. Voilà. En fait, c'est un chat. Tout simplement. C'est un chat dans les tons blancs, orangés et complètement floral, avec des yeux magnifiques. Voilà. Il est trop beau. Regardez-moi ça.
Il est sublime. Et c'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Voilà. Alors, je peux pas descendre un peu plus parce que regardez, je suis complètement au bout là et j'ai peur si je défais cette partie de ne pas pouvoir la replacer correctement. Regardez-le. Il est sublime. Je repose le papier et je vous retrouve. Voilà, je vous retrouve. Donc, je suis contente parce que pour une fois, avec ma petite raclette là, j'ai réussi à remettre la toile, enfin le papier dessus, nickel. Il va aller dans mon porte-vue, il va être bien aplati et comme ça, quand je voudrais la commencer, elle sera parfaite. Alors, pour vous faire voir quand même l'image, c'est celle-ci. Voilà. Hop, je vais essayer de. Voilà. Il est pas beau. Franchement. Il est roux et blanc. Voilà. Il est dans des fleurs, dans les tons complètement automnal. Mais je m'en fous parce que je l'ai trouvé magnifique. J'adore ses yeux, j'adore sa petite gueule. Il est trop, trop beau. Voilà. Et chez Home Fun, maintenant, vous avez le choix de demander avec ou sans AB. Vous avez le choix de prendre des diamants carrés ou des diamants ronds. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous choisissez la taille. Alors moi, ce que je fais, en fait, en premier, j'envoie l'image. Je précise que je veux une toile avec des diamants soit ronds, soit carrés. Une toile avec des AB. Et je leur demande conseil sur la taille par rapport à l'image. Et en fin de compte, ils m'ont proposé. Qu'est-ce qu'il m'avait proposé? 45. 45 par 50. Puis, quand j'ai regardé, puis que j'ai vu le prix, je fais non, bah, je vais prendre la taille au-dessus. Hein. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris 50 par 60. Et en fait, la toile, j'en ai pour 14 euros. Voilà. Sans aucun bon de réduction, rien du tout. Hein. Donc, pourquoi ne pas se faire plaisir, n'est-ce pas? Alors, par contre, chacun n'est pas à l'abri d'une erreur. Voilà, ça m'est déjà arrivé de recevoir en fait des diamond painting et qu'il me manque des diamants. Donc ce que je fais, je check toujours au déballage et en vidéo les diamants que j'ai. Et comme ça, s'il m'en manque ou quoi que ce soit, je renvoie un message, j'envoie le lien de la vidéo en même temps. Comme ça, ils peuvent vérifier que voilà, j'ai pas fait d'arnaque. Et bien souvent, bah, ils me proposent de renvoyer les diamants en même temps qu'une autre commande. C'est déjà arrivé. Ou alors, il faut payer les frais de port. Voilà, ça c'est un peu moins cool. Mais bon, donc quand c'est comme ça, en fait, je me reprends une bricole et puis un accessoire ou une connerie. Et puis comme ça, ils m'envoient les diamants en même temps. Alors, gigot d'agneau. Je check. Donc 647, il m'en faut 2, 4, 5. Voilà. Donc. Hop, je fais une croix, je check. Ça, c'est le dernier, il faut 29 sachets. Alors, 2. Là, je fais comme ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Ah, excusez-moi, je dois m'absenter 2 secondes. Alors, donc on continue. Enfin, je continue. Hein. 819, il en faut 8. 2, 4, 6, 8. Hop. 606, il en fallait 2. Donc, ok. Les 720, il me faut 9, 2, 4, 6, 8, 9. Piu, piu, piu. 371, il m'en faut 8. 2, 4, 6, 8. Alors en général, c'est des petits sachets comme ça qui contiennent 200 diamants, je crois. Le 37, 70. Il m'en faut 10. 2, 4, 6, 8, 10.
De 37, 76, il m'en faut 10. 2, 4, 6, 8, 10. Le 744. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 15. Combien de plus? Ça arrive, ça arrive. 977, 6, 2, 4, 6, 801, 7, 2, 4, 6, 7, 844, 5, 2, 4, 5. Franchement, je vous jure, faites-le ce truc-là parce que il n'est pas à l'abri. 37, 43, il en faut 1. 823, il en faut qu'un. 154, il en faut 2. 37, 27, 3, c'est OK. 152, 6, 2, 4, 6. 310, ça c'est un sachet, non, je vais attendre, il en faut d'autres. Un sachet tout seul, 946. Ah, c'est parce que le reste il est là. Donc il en faut 11. 2, 4, 6, 8, 10 et le 11e. Ok, 38, 24, il en faut 6, 2, 4, 6, 30, 41, 3, c'est ok, 645, il en faut 3, j'ai les 3, 38, 22, il en faut, j'en ai 4. C'est OK. 648, j'en ai 2. C'est OK. 2, 4, 6, 8, 9 en 38, 62. C'est OK. 2, 4 en 817. Ah bah c'est le AB rouge. 817, 4. Ok. 2, 4, 6, 8, 9, 919. Ok. 938. J'en ai 2. Ok. 782, j'en ai 4. C'est ok. 742, j'en ai 3. Ok. 38, 52, j'en ai 3. Ok. 224, j'en ai 5. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 11 en 945. C'est OK. 2 en 30, 33. C'est OK. 1 en 934. 2, 4, 6, 8, 9 en 37, 13. 2. Oui, c'est ça. 37, 13, 9, c'est OK. 2, 4, 6, 8 en 37, 71, c'est OK. 2, 4, 6, 8, 10 en 741, c'est OK.
722. Là j'ai du 414, j'en ai un. Ouais. Le 722. Il m'en faut 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Et le 310, il m'en faut 921. Donc c'est un sachet de 1000, donc c'est bon. Alors, et il me manque, ou alors je ne l'ai pas checké, le 371. Il m'en faut 5. Ils sont là. 2, 4, 6, 8. Ouf, je les avais pas checkés. Purée, je commençais à me poser des questions là. Et bah ok, c'est parfait, j'ai toutes mes couleurs. Voilà, hop, j'ai eu un coup de chaud là quand même, hein. Ça fait un moment que j'avais pas commandé chez eux. Je me suis dit là non, c'est pas possible. Voilà, pour faire voir cette adorable matou. Moi, j'ai craqué. Il est magnifique. Et il me fait penser à celui que j'ai fait en peinture par numéro qui est dans ma chambre. Voilà. Ça, je le range pas parce que ces sachets-là, je les ai en horreur. Donc, ça va être rangé dans une petite pochette zip prévue à cet effet. La toile, elle va aller dans mon porte-vue le temps que je finisse celle que j'ai en dessous. Voilà. Et je vous dis, hein, si l'image, elle vous plaît, moi, ça ne me dérange absolument pas de partager. Il n'y a pas de problème. Il y a ma boîte mail. Vous m'envoyez un petit message. Je vous envoie la photo et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous remercie de me suivre. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de partager. Si vous êtes d'accord, voilà, tout simplement. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !